Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. C'est Capitaine Kirk et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le quatrième épisode de notre aventure. Personne ne peut survivre sur ce monde Minecraft. J'espère que ça vous plaira. C'est le cas, je compte sur vous pour lâcher un gros pouce bleu. Ça me fait super plaisir. Comme toujours, pensez à vous abonner et activer la cloche. Je compte sur vous. Bonne vidéo! C'est parti! Alors les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure. Personne ne peut survivre sur ce monde Minecraft. Ça va être génialissime. Du coup les amis, on se retrouve tranquillou dans notre petite île. Vous avez vu, entouré de lave, hein, c'est plutôt cool. Et les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui on va s'occuper de la table d'enchantement. Parce que vous voyez que j'ai plein de vaches, plein de cannes à sucre. Et regardez, j'ai que 4 bibliothèques. Donc c'est parti les amis, on va se faire un max de bibliothèques. Comme ça les amis, on aura une table d'enchant niveau 30. Et on pourra faire de super enchantements là-dessus. Vous avez vu que j'ai plein d'outils les amis, qui ne demandent qu'une chose, c'est être enchanté. Du coup c'est parti les amis, opération tuer des vaches. On va rentrer par là tranquillou et c'est parti. Les potes, donc allons-y, on va tuer un max de vaches les amis, histoire de récupérer un max de cuir, hein, c'est ce qui nous intéresse les amis, pour faire un max de table enchante. Donc c'est parti, enfin de bibliothèque pardon. Donc allons-y, on a 9 de cuir, pour l'instant les amis ça me fait 3 bibliothèques, 12 de cuir ça m'en fait 4, ok ça avance pas mal. On sera pas obligé de toutes les tuer, hein. Je pense pas que ce soit obligé de toutes les tuer les amis. Dès qu'on a assez on s'arrête bien évidemment, hein. On gardera le reste des vaches bien entendu. Alors hop, pour l'instant une vingtaine les amis. Donc en fait il manque exactement les amis 12 bibliothèques, hein, parce qu'on en a déjà 4 les amis, même 11, il me manque que 11. Donc les amis il faut faire 11 x 3, 33. Donc là j'en ai 21, dès que j'ai 33 de cuir les amis c'est bon, on peut s'arrêter. Pour l'instant on en a 21 les potes, toujours 21, pour l'instant on drop plus de cuir pour l'instant, 22. Donc dès qu'on a 33 les amis on s'arrête, hein. Donc c'est parti, hop, 26. Parfait, on y est presque les amis, 27, parfait, 29, elle est plus que 4, 32, attention, hop, elle est une petite vache, une dernière, et voilà, 34, super, et même un peu plus par ici. Ok, elles sont sorties, bon du coup on va les tuer aussi parce que hop c'est galère de les remettre dans l'enclos. Parfait, on va également les amis récupérer la canne à sucre, c'est très important, on va pas la récupérer à l'épée parce que ça abîme l'épée, donc go ne pas faire ça. Voilà, on va récupérer à la main directement, il y a une vache qui se bat par aussi les amis, on va la tuer tranquillou. On laisse pas de vaches dehors parce que c'est galère, après elles peuvent mourir dans la lave etc, donc je préfère les garder dans l'enclos. Parfait, donc c'est parti les amis, maintenant direction la table de craft, on va faire un petit peu de craft les amis. Donc pour ça regardez, canne à sucre, hop parfait, il m'en faut un peu plus d'ailleurs, j'en ai plein dans le coffre, voilà. J'avais plein de réserves dans le coffre, vous avez pu noter les amis, hop, je prépare la table d'enchant depuis très longtemps. Donc c'est parti, on fait ça, hop, magnifique, on met plus de papier, un max de papier, voilà, on met le cuir, et regardez, 40 bouquins les amis. Maintenant il nous faut du bois, alors j'en ai pas ici, j'en ai un petit peu dans le coffre vraiment, ouais hop on va casser quelques petits arbres les amis pour en avoir un peu plus, donc c'est parti. Opération les amis, hop, bûcheronnage, ça ne se dit pas mais moi j'aime bien ce terme. On va bûchonner les amis, allons-y, attention à ne pas taper le pigmen, quoique, hein, quoique, tu es un petit peu un intrus ici, en soi je devrais te taper, hein. Logiquement, hop, parfait, alors ça nous fait une petite réserve de bois supplémentaire les amis, comment ça nous fait de bois tout ça, 64 ça c'est bien. On va replanter tout de suite les potes, hein, comme ça ça repousse directement, oh, on perd pas de temps les amis. Hop, un ici et un là, super. Alors, combien de boucles de bibliothèques on peut faire avec ça? On va mettre hop le bois comme ceci. Pour l'instant, on peut en faire les amis. Bah, vous avez pu voir une dizaine, regardez, 10 bibliothèques. Donc c'est parti, on va reposer un petit peu. Alors, donc là on est à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Normalement les amis, il manque une bibliothèque, c'est pas de bêtises. Ah bah non, ah oui, si regardez, voilà, 28, c'est parfait. Il manque une seule bibliothèque les amis et on est bon, vous avez vu, on est niveau 28, il faut qu'on soit niveau 30. Du coup, bah il manque logiquement les amis un petit peu de bois. Quoique, regardez, je crois que c'est bon là. Bah, ouais, ça passe, regardez. Hop, parfait. Et voilà. Le compte est bon, je peux qu'à mettre ça, comme ça et comme ça. Et là regardez, une magnifique table d'enchant niveau 30, regardez-moi ça les amis, tout est niveau 30. Parfait, la pioche efficiency 4. Super, c'est exactement ce que je veux. Par contre les amis, vous avez marqué, on n'a pas de lapis lazulis. Donc il faut qu'on en trouve parce que de lapis les amis c'est obligatoire pour enchanter. Pour ça les amis, direction les mines. On va y aller tranquillou, vous avez vu que j'ai mis les côtelettes à cuire. Les amis, j'avais plein de côtelettes en fait, je les ai mises à cuire. Parfait, voilà, comme ça j'ai un bon paquet de côtelettes les amis, pour descendre dans les mines en toute sécurité. Donc c'est parti les potes, on a un petit peu de bois, on va poser les bouquins qui restent et on va y aller. Donc c'est parti les amis, on va choper du lapis. Regardez. Donc là les amis, voici ma mine. Je vais vous montrer comment on fait une descente rapide. Vous avez vu, pour l'instant en fait on a une grosse descente comme ça en escalier. Je vais vous montrer comment on fait une descente méga rapide. Pour ça en fait faut vous mettre au milieu de l'escalier, faut creuser comme ça les amis en fait, directement. En fait vous avez vu, j'ai fait un escalier en colimaçon, ce qui veut dire qu'en fait vous avez vu, je reste toujours au milieu de l'escalier. Donc c'est très pratique. Là je vais creuser les amis jusqu'à atteindre le fond de ma mine. Vous allez voir, c'est très 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 pratique. Et ensuite les potes, j'ai juste à utiliser en fait un petit seau d'eau, hop, que je vais placer, vous allez voir, de manière très précise juste ici. Hop, je prends mon eau et on le pose ici. Parfait. D'ailleurs les amis, je voulais vous montrer un truc. En fait avant de commencer la vidéo, j'ai commencé par creuser par ici en fait pour un petit peu explorer les mines. Et je suis tombé sur ça les amis, du bois en plein milieu des mines. Du coup je vous ai attendu pour qu'on voit ça ensemble. Donc c'est parti les amis, allons-y, on va voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Une espèce de jungle, on dirait, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ici? Oh, du sable, ça va me servir pour faire des vitres. Et des pousses de la jungle, super. On va pouvoir avoir du bois de la jungle, génial ça. On a des fèves de cacao sur le côté, parfait pour faire des cookies. On a plein de lianes, regardez, on va les récupérer les amis avec notre petite cisaille. On va récupérer toutes les lianes comme ceci.
Parfait. Les liens, les amis, c'est des échelles naturelles, donc c'est très pratique. Autant s'en servir et les récupérer, ça servira toujours. Voilà. Ça peut toujours servir, les amis, même pour décorer un petit peu. Parfait. D'ailleurs, est-ce qu'on récupère le bois un petit peu? On va récupérer juste la façade avant, comme ça, ça me fait un petit peu de bois de la jungle. Toujours très pratique. Du coup, les amis, on va déposer ça dans le coffre. Donc c'est parti, on va remonter. Comme ça, ça tombe bien, je vais pouvoir vous montrer à quel point c'est rapide la descente. Rapide. Donc allons-y, les amis. On va remonter tranquillou, poser tout ça dans le coffre parce que là on va pas s'encombrer, vous avez vu que j'ai plein de trucs sur moi, c'est pas bien d'avoir autant de trucs pour aller miner. Et comme ça les amis, je vous ferai une petite démonstration à quel point c'est rapide cette méga descente comme ça. Donc c'est parti, on remonte tranquillou, hop, jusqu'à atteindre la surface, on devrait plus être très très loin. Hop, voilà, on y est. Donc, on ouvre le petit coffre qui se situe ici, on va le remplir complètement, voilà, super, tout est dans le coffre, tout est bien rangé, ça fait plaisir. Ça on dépose également au passage. Ok, super les potes. Maintenant les amis, ce qu'on va faire, c'est que, bah, regardez, je vais vous montrer la descente rapide, et puis on va récupérer du lapis lazuli. Donc regardez, tout ce que vous allez faire, c'est vous jeter comme ça en fait, ne rien toucher, et hop, vous arrivez tranquillement tout en bas. Vous avez vu le temps qu'on a gagné? Pratique, hein. Maintenant les potes, opération lapis lazuli. Pour ça, regardez, on a plusieurs solutions. Soit on prend une galerie qu'on a déjà faite ici comme ça, hein, c'est possible. Soit on prend directement une galerie ici qui descend. Le lapis, les amis, c'est assez profond, c'est à peu près la profondeur du diamant, il me semble. Enfin, en tout cas, c'est pas dans les couches les plus hautes. Et à partir de là, les potes, on peut aller tout droit à la recherche de lapis ou trouver des galeries déjà faites. À voir. Je pense qu'on va aller tout droit, les amis. Vous savez quoi, on va aller à la couche du diamant. Vous savez quoi, comme ça, c'est pratique. Comme ça, si on tombe sur du diamant, bah, on aura aussi du diamant. Sachant que j'en ai pas beaucoup de diamants, ça pourrait être bien. Donc, on va miner à la couche 11, comme ça, on tombe sur les lacs de lave. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Alors oui, je sais, il y a du charbon. Le charbon, ça m'intéresse pas pour l'instant, d'accord. La priorité, c'est le diamant, voire le fer. Le fer, j'en ai pas beaucoup sur moi. Mais pour l'instant, le charbon, j'en ai pas mal à la maison. Donc pour l'instant, les amis, on va se concentrer de pas le ramasser pour gagner du temps. Donc j'espère tomber sur des lacs de lave, les potes. Comme ça, on pourra directement explorer des galeries souterraines à côté. Et comme ça, les amis, sans doute trouver du lapis lazuli dans des galeries. C'est sûr et certain. Donc c'est parti, les amis, opération minage. Ça va pas tarder, vous inquiétez pas. De toute façon, en minant la couche 11, on est sûr de tomber sur des lacs de lave au bout d'un moment. Ce qui fait que vous inquiétez pas, on restera pas longtemps en couloir comme ça. Là, c'est vraiment pour trouver un max de trucs. D'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est la meilleure technique pour trouver des diamants. Comme ça, les amis, si on tombe sur du diamant, bah écoutez, on se fait plaisir, hein. On se fera plaisir. D'ailleurs, regardez, on peut utiliser la technique Skyheart, qui est une très bonne technique, les amis. Alors, oui, je sais, Skyheart, c'est un youtubeur Fortnite, les amis. Mais avant d'être youtubeur Fortnite, c'était un youtubeur League of Legends, qui n'a aucun rapport. Puis Minecraft, un petit peu. Il a eu son petit temps sur Minecraft. Il avait de bonnes techniques, je trouve, le bougre. Hop, Skyheart, c'est un joueur pro dans tous les jeux auxquels il joue d'ailleurs. Il adore jouer vraiment de manière vraiment professionnelle à chaque fois. Sur League of Legends, c'était un peu la référence à l'époque, Skyheart, les amis. C'était le mec que tu regardais quand tu voulais apprendre à jouer. C'était vraiment ça. Il était très bon. Voyons voir. Oui, je sais, je vous raconte un peu ma vie. Hein. Mais c'est pas grave, écoutez, on est là pour ça. Écoutez, il y a une période où j'ai beaucoup joué à LoL. Avant de commencer ma chaîne YouTube, je jouais énormément à League of Legends, hein, faut savoir. Après, c'est normal parce que ouais, dans ma classe, tout le monde y jouait. Donc bon, on finissait les cours, on allait jouer, quoi. Tout simplement. C'est un peu, c'est un petit peu, je sais pas, je pense que vous avec Fortnite, c'est un peu ça. Quand tu rends des cours, tu as tes potes au rendez-vous sur Fortnite ou même sur n'importe quel jeu. Hein. C'est un peu quand t'as un délire entre potes, bah tu joues beaucoup en fait sans même te rendre compte parce que t'as tous tes potes dessus et t'es un petit peu dans le délire, quoi. Parfait, là vous avez vu, on est tombé sur pas mal de fer en un petit. Vous avez vu de chaque côté en plus, hein, de manière symétrique, c'est plutôt stylé. Allez, on cherche le diamant, les amis, on cherche le diamant. Donc là pour l'instant, vous voyez, il faut monter son son, on va monter notre son parce qu'on cherche de la lave. Donc dès qu'on entendra de la lave, les amis, il faudra faire attention à bien venir dans la bonne direction pour tomber directement sur le lac de lave. Encore de la redstone. Alors la redstone, je voulais pas spécialement, mais vous savez quoi, ça donne de l'XP, vous avez remarqué. Du coup, en fait, finalement c'est pratique. Comme ça, si on va faire des petits systèmes à redstone, ça peut être sympa quand même. Hein. Je fais jamais de système à redstone en survie, mais on pourrait essayer d'en faire des basiques, hein, les plus basiques. Parce qu'après, en fait, c'est pas que j'aime pas en faire, mais c'est que c'est long, les amis. En fait, ce que vous savez pas, c'est que pour faire un système à redstone, faut vraiment être patient. Ça prend pas mal de temps, etc. Et il faut beaucoup de ressources, en fait. Encore du fer. Alors pour l'instant, on a trouvé un max de fer, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Mais ce qui m'intéresse le plus, les amis, c'est le lapis lazuli, parce que sans lui, on ne peut pas faire d'enchantement. Il faut qu'on en trouve, les potes. Il faut qu'on en trouve. Hop, on mange un petit coup, parfait. Alors, on continue les amis, on va continuer ma technique sur les côtés, regardez comme ça, c'était quand même efficace, on va continuer comme ça en espérant avoir un petit peu de chance, donc c'est parti. Hop, donc là du gravier, on s'arrête direct, là les amis pour l'instant pas grand chose, un petit peu de charbon, mais bon ça m'intéresse pas. On continue tout droit les potes, alors, je pense qu'on va tomber dessus les potes, vous allez voir. On va tomber dessus c'est sûr, alors on continue par ici, hop, rien par là, ensuite par ici, voyons voir un petit peu ce que nous avons. Ah, bah voilà, super. Bah c'est pas de chance, ça, direct du lapis quoi. Génial. Franchement, vous avez dit, hein. J'avais dit. Allez, on continue tout droit les potes. On continue. On continue la technique sur la droite, hein. Vous savez quoi? J'ai vu que j'ai pas fait à gauche, j'ai fait à droite par réflexe. Bon écoutez, on continue à droite, ça nous apporte des chances. On va continuer, voilà, du fer. Bah là, ça porte vraiment chance à droite les potes. Hein. Et je dis ça, mais ça se trouve, il y a du diamant à gauche, hein. Ça se trouve, je dis ça les potes, mais à gauche, il y a du diamant. J'avoue les amis, honnêtement, est-ce que... Bah je sais pas, allez, vas-y, on continue à droite. C'est pour le fun. Allez, on continue à droite, ça fera rigolo. Ça fera un petit... Allez, ça fera un petit défi rigolo, pourquoi pas. On a le droit de miner qu'à droite, les amis, pas à gauche. Hop, parfait, on continue tout droit, les amis. Donc là, il y a beaucoup. Donc là, je vais arrêter de creuser parce que là, vous voyez, c'est de l'andésite. Oh, mais regardez. Oh là 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 là, qu'on est béni. On est béni. Bon, je pense qu'on peut même revenir directement, les amis. Hein. On est venu pour ça après tout. Le diamant, pour l'instant, j'en ai pas obligé. Enfin, je suis pas obligé d'en avoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas prioritaire. J'en ai besoin, évidemment. Mais là, pour l'instant, je suis vraiment venu pour le lapis lazuli. Donc, vu que j'en ai, les amis, que je peux pouvoir faire des enchantements, je pense qu'on peut rentrer directement, les potes. Bon, bah, écoutez. Direction la maison, c'est parti. Ah, viens un creeper, qu'est-ce que tu fais là, toi? Hop, on va lui shooter, on va shooter. Attendez, ça tire pas assez... Attends, ça tire peu loin que ça. Wow! Je savais pas que ça tirait aussi peu loin un arc comme ça.
Hop, 3 coups. Eh bah, dis donc, c'est pas efficace, hein. Ok, bon, c'est pas bon, on va la tuer. Voilà, c'est un petit peu de nos flèches, que ça sert à quelque chose. Donc, on est venu par où, nous? On est venu par là, ça se voit tout de suite. J'ai dû creuser par ici, en revenant. D'ailleurs, les amis, en parlant de défis, j'ai un énorme défi pour vous, les potes. Écoutez, c'est très important. Je vous passe mon Instagram, les amis, c'est Capitaine Kirk TV, les amis. Le défi, les potes, c'est que si on atteint les 200 000 followers sur Instagram, les amis, avant 2020, je me montre en vrai pour la première fois, les amis. Je me suis jamais montré en vrai, les amis, sur YouTube, hein. Du coup, si vous réussissez le défi, les amis, qu'avant 2020, on est 200 000 sur mon Instagram, je vous promets de me montrer sur Instagram et sur YouTube. Donc, allez-y, les amis. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Go me follow un max sur Instagram, vous tapez Capitaine Kirk TV, vous allez me suivre, ça me fait très plaisir les amis. Vous avez aussi le lien directement dans la description de la vidéo, donc si vous avez peur de pas le trouver, vous avez aussi le lien en première ligne de description de la vidéo les amis, vous pouvez pas le manquer, il y aura marqué mon Instagram, deux points, ou vous tapez directement Capitaine Kirk TV les amis sur Instagram pour me trouver. Donc voilà les amis, énorme défi, si on atteint les 200 000 followers, je sais que c'est énorme les amis, mais je suis sûr que vous pouvez y arriver. Si on atteint les 200 000 followers les amis sur Instagram, je me montre en vrai sur Insta et sur YouTube, je compte sur vous les potes avant 2020 bien sûr. Voilà les amis, c'est le méga défi du jour, je compte sur vous pour le réussir les potes. N'hésitez pas à venir me follow un max sur Insta, ça me fait très plaisir les amis, je compte sur vous. En plus, indépendamment de ça, je vous montre un peu ma vie, etc. C'est histoire de me connaître un peu plus. Instagram, les amis, c'est le deuxième réseau où je suis le plus actif après YouTube, donc voilà, je passe un peu ma vie, etc. Vous apprenez à me connaître un peu mieux, donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien me suivre au quotidien, etc. Bah, c'est l'occasion jamais, les amis, d'en savoir plus sur moi. C'est sur Instagram que ça se passe. Et c'est sur Instagram que je vous montrerai en premier. Donc allez-y, les amis, n'hésitez pas à me follow un max, ça me fait très plaisir. Je compte sur vous. Alors, on est remonté les potes, nous voici de retour parmi les vivants, enfin parmi le monde de la surface les potes. Du coup, il y a plein de monstres partout. Hop, ça va pas du tout là, j'ai pas le contrôle de la zone. C'est quoi, on va tuer un max les creepers et tout et compagnie. Voilà, super. Oh là les gars, calmez-vous, c'est une invasion de creepers. Je pense que j'ai pas assez bien éclairé. Quelque chose me dit que j'ai pas assez bien éclairé du tout. C'est quoi, on va y remédier immédiatement. Oh, j'ai obtenu une pomme de terre, mais c'est génial. C'est génial, j'ai une patate. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai tué 2-3 zombies dans les mines en fait, qui m'ont attaqué à un moment donné pendant la pause en fait, où j'ai coupé et je suis allé manger un petit coup. Et bah, il y avait des zombies qui m'ont attaqué. Voilà, parfait. Du coup, est-ce qu'on passerait pas la nuit, tiens? Vous savez quoi, je pense que c'est pas une meilleure idée. En plus, je vous rappelle qu'en 1.13, quand on dort pas assez, et bah, le monstre, le fantôme va nous attaquer. Je vous rappelle, vous voyez le monstre volant là? Bah, il nous attaque volontiers en fait. Quand, bah, vous savez quoi? Je crois que j'en ai entendu un là. Je crois que j'ai fait entendre un. J'ai entendu une espèce de sifflement. Je sais pas si c'est un mec qui a sifflé dans ma rue, mais ça faisait un bruit chelou. Alors, on va récupérer l'eau d'ailleurs, les potes. Attendez, l'eau, ma source doit finir par là. Super. Bon, bah, c'est parti pour les méga enchantements. Est-ce qu'on se referait pas? Attendez, j'ai du diam sans stock ou j'ai pas du tout de diam sans stock? Non, je l'ai pas du tout, hein. Bon, du coup, on n'a pas le choix. On va devoir enchanter cette pioche qui est un petit peu abîmée. Mais écoutez, on n'a pas vraiment le choix. Efficiency 4. Oh, Silk Touch. Alors, Silk Touch, j'aime et j'aime pas à la fois. Pourquoi? Parce que regardez, en fait, l'avantage de cet enchantement, vous avez vu, regardez, c'est que je récupère directement des blocs de stone. J'ai pas besoin de les faire cuire. Le problème, et le gros problème de ça, les amis, c'est que quand je pose des minerais comme ceci, voyez-vous, enfin ça va pas le faire, mais par exemple si je pourrais des minerais de diamants, je pourrais vous montrer, attendez, pour vous montrer un truc très très simple de comment ça fonctionne, qu'est-ce que je pourrais vous montrer, ouais, un très très bon exemple, regardez, si je casse des vitres, regardez, je casse des feuilles, pardon, vous avez vu, j'obtiens directement des feuilles. L'inconvénient avec ça, les amis, c'est que quand on va miner du diamant, bah on va pas récupérer le diamant, en fait, on va récupérer directement le minerai de diamant, comme ça, en fait, on va récupérer le diamant sous cette forme-là. Du coup, c'est bien, mais c'est pas bien à la fois. Ça mine très vite, mais c'est pas ce que je voulais pour l'instant. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est pas. On en fera une deuxième quand je trouverai du diamant. Pas de problème avec ça. En attendant les potes, on va faire cuire le fer qu'on a trouvé parce qu'on en a pas beaucoup en réserve. On va prendre ce qu'on a qui est resté à faire cuire ici. On va mettre le fer à faire cuire dans les deux petits fours. Et on va se faire une ferme à pommes de terre. Je pense que vous êtes chaud pour faire ça, les amis. Une petite ferme à patates, ça peut être très utile dans notre aventure. Alors, je suis absolument rempli de tout et n'importe quoi. On va déposer un petit peu ce qui traîne. Je vais me faire un coffre spécial cobblestone, hein. J'allais dire je vais le jeter, mais bon, je pense que c'est un petit peu bête de le jeter comme ça. Je pense que c'est bien de faire des économies de temps en temps. Donc on va se faire un coffre un petit peu à débarras, les amis, qu'on va mettre de l'autre côté ici. Ouais, c'est vraiment un coffre à débarras. Et là-dedans, les amis, on va mettre tout ce qui nous sert pas dans l'immédiat, c'est-à-dire tout ce qui est cobblestone, qui prend une place monstre à chaque fois pour rien. Ça par contre, on va garder le truc de jungle qu'on va poser. On est pas mal, hein. Je pense qu'on est pas mal, les potes. D'ailleurs on va faire cuire le sable les amis, parce que comme je vous ai dit, j'ai envie de faire des vitres colorées et puis c'est l'occasion jamais, donc go faire cuire le sable. J'ai des fours ici, ça tombe bien, j'en ai plein qui traînent. J'ai autant, j'ai 8 fours sur moi quoi. Cherchez l'erreur. J'ai plus de charbon, si j'en ai plein dans le four. Je vous ai dit que j'avais plein de charbon, je vous l'avais dit, hein, il m'en restait pas mal. Hop, un peu moins que ce que je pensais, mais c'est largement suffisant. Alors, à faire cuire le sable et le sable. Voilà. Comme ça on pourra finaliser la maison, parce que j'ai envie de finir la maison aujourd'hui. Vous savez quoi, déjà je vais mettre le lit dans la maison. Déjà on va faire ça. Attendez, est-ce que j'ai pas un petit peu là? J'ai envie de faire un truc très rigolo, ça va vous plaire. Ouais, j'ai assez, attendez. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça, je vais transformer ça en laine. Je vais colorier la laine, regardez, hop. Et là, regardez, au lieu d'avoir un lit tout blanc, tout moche comme ça, je vais avoir un super lit coloré, regardez, hop, et hop, voilà les amis. Ok, donc là, regardez les potes, j'ai un super lit bleu qu'on va mettre immédiatement dans la maison, voilà, super. Il manquera plus qu'à mettre des vitres devant et puis on pourra avancer. D'ailleurs, si je récupère un peu de quartz, on pourra l'agrandir. Je sais que pour l'instant, c'est pas très grand, c'est pas très joli, mais c'est parce que j'avais pas beaucoup de matériaux, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais vous inquiétez pas, je pourrai agrandir à l'occasion sans aucun problème les amis.
Faudrait que je trouve un cheval aussi, parce que j'ai une selle et des armures pour chevaux, c'est bête de pas s'en servir. D'ailleurs, attendez, j'ai pas trop... Oh, mais si, mais regardez! Regardez, c'est vrai que j'ai trouvé des œufs de chevaux dans le Nether. Alors, attendez. Ah oui, alors ça c'est un bug avec mon pack de texture. Vous inquiétez pas. En fait, c'est juste mon pack, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que le truc marche très bien. Mais le jeu marche très bien, c'est juste que mon pack rend les chevaux invisibles, faut que je corrige ça. Parce que c'est pas un pack 1.13, donc évidemment, bah il est pas conçu pour ça, vous voyez ce que je veux dire. Vous savez quoi, on va dompter ce cheval. Bon, ce sera un cheval invisible, ce sera encore plus stylé, vous êtes pas d'accord? Allez, on va lui mettre une belle armure en diamant quand on l'aura dompté. Donc regardez, ce qu'on va faire pour dompter un cheval, les amis, vous avez qu'une seule solution, c'est lui monter dessus, comme ceci. De manière à ce qu'il finisse par vous accepter. Là, je crois que c'est bon. Il l'a déjà fait, là? Non, mais je reviens pas. Il l'a déjà fait. Je peux lui mettre la selle. Hop, et l'armure. Regardez. Donc là, il est en armure. Alors oui, je sais, il est un petit peu chelou. Il est à moitié invisible. Mais regardez, j'ai un cheval. Oh, mais c'est un âne, ce truc. Mais c'est super lent. Attendez. Attendez, on va essayer l'autre parce qu'il est tellement lent, les gars. Ah non, mais là, c'est abusé. Franchement, les gars, c'est abusé. Ah, mais le truc, c'est une mamie, quoi. Attendez. Hop, sans offense, bien sûr. Attendez, on va essayer le deuxième cheval, les amis. Parce que là, ça va pas du tout. Le premier, il est totalement lent, les potes. Alors. Donc là, en fait, vous lui montez dessus. Il va vous rejeter plusieurs fois, il va vous faire tomber jusqu'à ce qu'il le fasse plus. Quand il le fait plus, les amis, là, il m'a fait tomber. Vous avez, il faut réessayer jusqu'à ce qu'il le fasse plus. Quand il le fait plus, ça veut dire qu'il vous aime bien. Donc là, vous avez vu, lui, c'est un cheval tout à fait docile. Lui, il se laisse pas faire. Ils ont pas le même tempérament. Chaque cheval, les amis, c'est comme bah, c'est un peu comme les humains. Ils ont pas tous le même tempérament. Lui, il se laissait faire. Lui, pas du tout. Hein. Vous remarquez que depuis tout à l'heure, il va pas me laisser. Vous inquiétez pas. C'est voilà, c'est bon. Faut essayer plusieurs fois, il finit par vous accepter. Ok, donc là, voyons voir. Est-ce que t'es un peu plus rapide? T'es un peu plus rapide parce que l'autre, c'est vraiment une lenteur. C'est pas aussi rapide que ce que j'espérais, pardon. Mais globalement, ça va. On va le mettre dans l'enclos. Hop, à vache, parce que je pense qu'il le perd. Ok, bon, il est là, il est beau, il est magnifique. On va peut-être le renommer aussi. Si je trouve un name tag, je vais lui donner un petit nom. Je vais l'appeler Spirit. Alors, ceux qui connaissent pas le film Spirit, les amis, c'est un super dessin animé. C'est vraiment un très très beau dessin animé avec un cheval sauvage aux États-Unis en fait. On va mettre l'autre. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va lui mettre un compagnon. Hop, et le cheval s'appelle Spirit dans le film. Le film s'appelle Spirit et le personnage principal, le cheval, s'appelle Spirit aussi. C'est un très très beau film, les amis. Je vous le conseille vivement. Attendez, j'aurais peut-être dû lui mettre l'armure quand même pour que je le reconnaisse par rapport à l'autre. Parce que si je mets pas l'armure, je sais pas qui est qui après, donc c'est pas fou. C'est ce que je vais faire, je vais lui ramener lui là. Bon, même s'il est hyper lent, les potes, faut quand même les mettre ensemble, ils sont plus heureux s'ils sont tous les deux à côté. Je pense, les amis. Hop, voilà, on va récupérer la selle et on va lui mettre à lui la selle. Voilà. Comme ça, ils sont ensemble, les potes. Voilà, ça fait un petit couple de cheval. Je sais pas si c'est deux garçons ou deux filles ou un fille et un garçon. Je ne sais pas du tout, les amis. Bon, je sais pas si c'est une fille et un garçon, c'est ce que je voulais dire plutôt. Mais écoutez, ça fait quand même un couple, c'est quand même mieux. Voilà, ça fait, au pire, ça fait des potes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, les côtelettes, j'en ai plein. J'allais dire, j'en ai plus, mais en fait, non, j'en ai plein, les amis. Donc, j'avais quoi au programme? Ah oui, me faire une ferme, les amis, à pommes de terre. Ça, c'était au programme, les amis. Pour ça, il me faut de la terre. J'espère que de la terre, les amis, j'en ai un petit peu en réserve. Apparemment pas dans ce coffre-ci. Je pense, les potes, qu'on devrait aller chercher un petit peu. Vous voyez l'endroit que j'avais trouvé spécial avec du sable dedans. Faut que j'en cherche un autre, voir s'il n'y en a pas. Donc je vais chercher, les amis, je vous retrouve quand j'en ai trouvé, à tout de suite. Super, j'en ai trouvé plein, les potes. En fait, regardez, j'ai commencé par creuser par ici. Donc là, je me disais, je trouve rien. En fait, je suis parti à gauche, regardez, je suis tombé là-dessus. Donc là, les amis, on a 4 pouces de boulot, sympathique. Ok, donc un peu de bois de boulot. Donc là, il n'y a pas de cadeau en plus des pouces, très bien. Je suis allé de l'autre côté, les potes, regardez, j'ai trouvé encore un truc. Donc je vais pas fouiller, hein, on fouille ensemble. Oh, de la terre, super, c'est exactement ce que je voulais. Ah, ça, c'est trop cool, les amis. J'en ai encore trouvé un autre, les potes. En fait, je suis parti ici, j'ai creusé par là et je suis tombé sur un truc aussi ici. Regardez, juste là, les amis, il y en a vraiment plein. Avec du gravier. Oh, mais franchement, je suis aux anges, les potes. C'est tout ce dont j'avais besoin. Ok, super. On va poser ça là. Alors, attendez, peut-être pas poser des trucs précieux. Qu'est-ce qui vaut absolument rien? Ça vaut rien. Ok. Alors, on va remonter avec notre petite récompense, les potes. C'est parti. Donc là, j'ai pas de terre et de gravier. Ça tombe bien, il nous donne les trucs qu'on a du mal à trouver. Surtout la terre, les amis, c'est quasiment introuvable. Vous avez remarqué, la terre, les amis, il n'y en a pas. Vu que, bah, en fait, comme on est sur un monde custom entouré de lave, bah, il n'y a pas vraiment de terre, en fait. Donc, il est gentil de nous en donner. Ça fait plaisir. Il nous a donné du sable tout à l'heure. De la terre, c'est ce qui me manquait aussi. Ça fait très plaisir. Ah, ça fait du bien d'en trouver la surface un petit peu. On se sent mieux, hein. On se sent plus en liberté. Alors, du coup, les potes, go déposer tout ça dans le coffre. Super. Hop, c'est qu'on va directement récupérer la terre. Parce qu'on va directement, je vous ai différents champs à pommes de terre. Parfait. Hop, voilà. Ok, bon, c'est parti. On va bouffer un petit coup. D'ailleurs, attention à pas manger la patate, hein, parce que j'en ai qu'une. Si je la bouffe, bah, n'en a plus. Ce serait un petit peu ballot. Je propose, les amis, qu'on fasse, vous voyez, un champ un petit peu en hauteur comme ça. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, je pourrais directement miner l'obsidienne comme ça, vous voyez. Quoique, j'ai une pioche rapide. En vrai, non, mais en vrai, si. En fait, on peut directement miner l'obsidienne. Vous avez vu comment c'est rapide maintenant? J'allais dire, c'est long, mais en fait, non, on a une méga pioche. Alors, attendez. Vous savez quoi? Si on a une ferme ici, on a une ferme par là. Je propose qu'on fasse la ferme ici. Ça me paraît logique. Vous voyez ce que je veux dire? On fait à peu près, au même endroit à chaque fois. Donc, regardez, on va hop, mettre de l'eau ici. Mettre de l'eau par là. Donc là, on va agrandir. J'allais dire, en fait, on va faire un champ hauteur, mais même pas besoin, les potes. On a une pioche rapide, donc on peut se permettre de faire ça. Ok. Donc, on a créé une belle zone magnifique par ici. Il est temps maintenant, les potes, à partir de là, hop, de se faire plaisir. Donc, on se met ici. J'agrandis un peu plus par là. Je sais que je suis maniaque avec ça, les potes, hein. C'est un petit peu mon petit défaut. J'ai toujours envie, à chaque fois, d'agrandir un plus, un maximum possible à chaque fois. Hop, c'est irrésistible. Bon, c'est bon, les potes. On se met ici. On va creuser là. Super.
Donc attention, il va y avoir de la lave, hein, bien évidemment, vous vous en doutez. Maintenant, on va creuser le champ. Hop, vous avez vu, ça va pas être long, ça va pas être long. 1, on va aller par là. 2, c'est pratique d'avoir une pioche comme ça, hein, quand même. 3, hein. Heureusement qu'on en a une en vrai. 4, hein. Ok, donc 4 de chaque côté, vous allez voir pourquoi c'est la technique. Donc là, 4, on peut remplacer par de la terre. Ensuite, 4 par là. Pour l'instant, de toute façon, on n'a qu'une patate. Hein. De toute façon, les amis, vu qu'on a qu'une seule et unique pomme de terre, forcément, on n'est pas obligé de faire le champ entier. On va juste faire un morceau du champ pour l'instant. Et puis, petit à petit, on l'agrandira en fonction des besoins. Vu qu'on a une seule patate pour l'instant, à moins que j'ai des os en réserve. Je pense que j'ai un petit peu d'os, les amis, dans les coffres, je pense. Bah, ça peut nous servir. Hop, parce que les os, les amis, on peut accélérer la croissance, je vous rappelle, avec la poudre d'os. Ensuite, 4 par là. Pourquoi je fais 4 en fait, les amis? Parce que quand vous posez de l'eau, vous pouvez aller 4 crans en ligne comme ça. À partir de 4 crans, l'eau ne sera plus fertile. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Si vous voulez, je vous fais un exemple. Tiens. Je fais un exemple de pourquoi est-ce que je fais 4 et pas plus. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Hop, vous allez comprendre tout de suite, les amis. Vous savez quoi? Là, je vais creuser 5. Là, j'ai creusé, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc là, c'est vas-y, j'ai mis 5 pour vous montrer. 1, 2, 3, 4. Oh non, 5 ici, voilà, pardon. Il fallait pas compter celui du milieu. 5 là. Voilà. Je vais vous montrer ce qui se passe quand je mets 5. Pourquoi je mets pas 5 en fait. Bon, maintenant, il me faut ma houe. Je suppose que j'ai une houe abîmée dans le coffre. Non, pas par là. Allons checker un petit peu par ici. Bah j'en ai plus, bah c'est grave, on va se refaire. Vous êtes sûr que j'en ai plus? Parce que. Ouais, non, j'en ai plus. Ok. Bah c'est pas, on va se la faire en pierre, les amis. Pourquoi pas en métal? Parce que j'en ai pas beaucoup encore du fer, les amis. J'ai pas envie de le gaspiller. Donc regardez, en fait, l'avantage, c'est quand vous faites un champ comme ça, c'est que vous pouvez aller 4 en longueur. Et vous voyez, si je vais 5, regardez ce qui va se passer. En fait, quand je vais aller sur 5, les amis, en fait, ici, ça va pas être fertile. Vous allez voir, regardez. Donc là, ici, ça va être fertile, là aussi. Et là, vous avez vu, celui-ci, en fait, c'est hors de portée. En fait, la portée de l'eau, les amis, c'est 5. C'est, en fait, pour être exact, c'est 4. Et quand vous dépassez 4, bah regardez, lui, il deviendra jamais fertile. Vous allez voir. Il restera comme ça. Il finira par se dessécher. Bon, je vais le laisser. Voilà, vous avez vu, il s'est desséché. Vous avez vu? Regardez, je peux réessayer si vous voulez. En fait, vous avez vu, ça se limite à 4. Du coup, ça sert à rien de creuser plus de 4, en fait. Parce que finalement, vos cultures, elles ne peuvent être irriguées que de 4 à partir de la source d'eau. C'est un truc à savoir, les potes. C'est un truc à savoir. Donc voilà, maintenant que vous le savez, ne creusez plus des champs trop longs, ça sert à rien. Ça, d'ailleurs, là, ce que je vous montre comme champ, là, c'est le champ le plus basique de Minecraft, le plus simple à faire, les potes. Ce champ-là, là, ce champ que je suis en train de vous faire, là, c'est le champ que tous les joueurs de Minecraft font de base, et c'est quand même le plus pratique. Ma patate, on va la planter. Est-ce que j'ai des os sur moi, les amis? On va essayer d'accélérer la croissance de cette petite patate, histoire qu'on en ait plein. Déjà, je me sentirais mieux parce que je saurais que j'en aurais plein. Et attends, on va récupérer ça, ça cuit. Est-ce que j'ai des os qui traînent? Bah, j'ai pas l'impression, j'ai pas trop tué de squelette, je crois. Hein. Vous savez quoi? Est-ce qu'il n'y a pas des squelettes qui traînent là? Il fait nuit. Creeper, tu m'intéresses pas. Bon, je vais quand même te tuer, mais tu m'intéresses pas. On va faire en sorte de pas exploser avec lui quand même. C'est pas non plus le plan. J'ai envie de vous dire. Il n'y a pas des squelettes par là? Parce que des fois, je vais balader par là. Il y a quelques petits squelettes. Au pire, on peut attendre. Hein. Vous savez quoi? C'est pas obligé d'avoir directement de la poudre d'eau. Poudre d'os, pardon. Mais c'est vrai qu'en avoir de temps en temps, c'est pratique. Vous savez ce qu'on peut faire pour en avoir un max? Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que la lave est claire. En fait, si vous voulez qu'on en ait un max, il faudrait qu'on mette de l'eau un peu partout. Parce qu'en fait, en mettant de l'eau comme ça, en fait, là, vous voyez, le problème, c'est que la lave est claire, en fait. Du coup, ils peuvent pas spawn, parce que les monstres ne spawnent pas quand c'est éclairé. Et le truc, c'est que si j'arrive à enlever suffisamment de lave, en créant une belle zone, par exemple, peut-être par ici, vous voyez, pas derrière la maison, j'ai pas envie que les monstres spawnent derrière la maison, mais peut-être par là, vous voyez, dans ce bel espace ici, là, entre les deux. Voilà, dans ce bel espace, là, ce sera rempli de monstres. Du coup, je pense que si on fait ça, il y a moyen que ça marche. Donc là, faut vraiment que j'enlève toute la lave, le maximum de lave possible, les amis. Voilà. En faisant ça, les potes, je m'assure en fait que les monstres sont dans les bonnes conditions pour apparaître. Comme ça, je repasse 2 minutes plus tard et il y en aura plein. C'est sûr. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça, voilà. Donc là, pour le coup, je vais me donner un cœur joie pour que ce soit vraiment, vraiment, vraiment bien, bien hop, sombre. Il faut que ce soit sombre, les potes. Hein. Il faut pas qu'il y ait de lave, absolument, parce que là je vous ai vu, j'ai pas mis de torche, donc ça fait. Là déjà, rien que là, je pense qu'ici là ils peuvent spawn. Hein. Là je suis trop proche, mais si je m'éloigne, vous allez voir par vous-même que ça va spawn derrière moi. Hein. Vous allez pouvoir vous en rendre compte assez rapidement, les amis. Pour l'instant, là je suis vraiment en ligne droite. Oh, ça va être bien, hein. Ça va être très bien, c'est moi qui vous le dis. Ça va être très très bien cette petite zone de spawn, les amis, on va se faire plaisir. Hop, parfait. Voilà. Ok, super, ici pareil. Hop, ici pareil. Ici, pareil. Ok. Alors, on a une belle zone de spawn, les amis. Donc, faudrait que je m'éloigne un petit peu en soi. Attends, je vais encore continuer un petit peu par là. Il y a encore un peu de place. Bon, c'est pas sûr qu'on les squelette du premier coup. En pensant, on peut tout avoir. Creeper, zombies, tout ce qui traîne par là, les potes. On peut les avoir. Donc, écoutez. On va faire attention un petit peu. Hop, par là, pareil. Voilà. Par là, même chose. Ok, super. Hop. Et hop. Voilà. Donc, on a une belle zone, les amis. Plutôt cool. Voilà. Ok. Bon. Du coup, voyons voir. Logiquement, là, il fait jour. Bon, du coup, un petit peu tard pour faire spawn. Mais moi, la nuit prochaine, les amis, ici, ce sera rempli de mobs. C'est moi qui vous le dis.
En attendant les potes, la patate a dû pousser, voilà, elle a quand même eu le temps de pousser depuis le temps, donc on va pouvoir quand même, hop, regardez, agrandir ce petit champ. Bon, on en a une deuxième, hein, c'est pas beaucoup. Mais écoutez, ça fait partie du jeu, attention à la lave quand même, attention à la lave ici. Donc là, je vais en profiter pour agrandir un petit peu le champ comme ça. Vous voyez, ça pousse vite quand même, mine de rien, ça pousse vite, hein, on peut se le dire. On peut se le dire, les potes. Hop, hein, super. Donc là, j'en profite directement, les amis, pour agrandir un petit peu mon petit champ. Voilà. Parfait. Quand même, on se fait plaisir, parce que je veux dire, on se fait un petit peu plaisir. Hop, hein, voilà. Même chose ici. Hop, hein, super. On met ça comme ça. Donc là, je peux agrandir un petit peu, vous voyez. Donc c'est pratique, hein. Heureusement que j'ai une pioche. Vous savez quoi, cette pioche, finalement, j'allais dire, elle sert à rien, puisque à la base, on peut pas miner des minerais avec directement, mais finalement, elle est très utile, en fait. Parce que là, l'avantage de faire ça, les potes, c'est que là, bah, on peut directement casser l'obsidienne sans attendre 10 minutes à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est relativement long, l'obsidienne de base, hein. On peut se le dire. C'est quand même assez long. D'ailleurs, j'essaie de récupérer un max, je manque la moitié, la moitié tombe, je sais, les amis, la moitié tombe dans la lave. Mais je devrais essayer de la récupérer, comme ça on pourrait se faire une espèce de forteresse en obsidienne, une espèce de château ultra bien protégé. Du coup, vu que l'obsidienne, c'est le matériau le plus résistant de Minecraft. Ça pourrait être intéressant. Donc là, vous avez vu, j'ai agrandi un petit peu. J'en profite pour faire ça parce que comme ça, la patate a le temps de pousser. Parce que je veux dire, voilà, j'en profite un petit peu. Hop, voilà. Donc vous inquiétez pas pour l'obsidienne qui tombe. Ce que j'allais dire en fait, c'est que j'allais en fait, c'est pas comme si l'obsidienne était illimitée sur cette map. Hein. C'est pas comme si c'est pas grave si j'en perdais un. Parce que regardez, je peux faire d'obsidienne à l'infini, les potes, avec cette map. Hein. Hop, là j'en ai déjà 23 sur moi. C'est déjà un bon petit paquet d'obsidienne tout ça. Hop, regardez, ça a repoussé ici. Super. J'adore quand le champ pousse comme ça. Il y a une certaine satisfaction, tu sais, à replanter toi-même ton champ. Voilà, génial. Donc là, c'est pas mal. Hein. On a déjà un petit champ, les potes. Alors que là, comme j'ai dit, ça, on va le remplacer par d'obsidienne, du coup, parce que à chaque fois, la terre, elle reste moche. Voyons voir. Ici, je vais creuser également. Hop, j'ai fini le côté droit du champ. C'est quoi, j'en ai pas beaucoup à faire. J'ai fini le côté droit du champ, comme ça, c'est fait. Voilà, comme ça, le côté droit est terminé. De toute façon, vous inquiétez pas, on n'aura pas besoin de la taille maximale avant que toutes les patates aient poussé. Il y en a pour un petit moment, donc on n'est pas pressé. J'ai hâte d'être la nuit prochaine, par contre, les amis, pour voir un peu combien de bombes on peut avoir là-bas. Ça peut être intéressant. Faut faire un petit peu attention parce qu'à mon avis, ça va spawn. Alors, est-ce que ça spawn un max? C'est la question que je me pose. La plateforme est grande, mais je pense qu'il faut l'élargir un petit peu. Hein. C'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Je pense que c'est bien, mais c'est pas assez bien. Je me comprends en fait. C'est pas assez large en fait encore là. Parce que vous voyez, là ils peuvent spawn en plein milieu, mais là à cause de la lave ici ils peuvent pas spawn, à cause de la lave là ils peuvent pas spawn non plus. Donc là je pense qu'il va falloir élargir un petit peu tout ça. Tout est une question en fait d'éclairage les potes. Hein. Si vous avez suffisamment hop, déséclairé pour le coup, parce que là c'est l'inverse de d'habitude, on a déséclairé et pas éclairé, ça spawnera un max. Hop, voilà. Donc là je fais en sorte que en fait ici là dans cet bel endroit là il puisse spawn un maximum possible, les amis, c'est le but. Vous allez voir, il va y en avoir plein. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on est dans un monde plat, en fait, dans un monde classique de Minecraft, vous voyez ce que je veux dire? Les monstres peuvent spawner n'importe où. Sauf qu'ici, comme on est dans un monde plat, ils peuvent pas spawner à la lave, bien évidemment. Donc ils sont obligés de spawn dans le peu d'endroits qu'ils ont. Et comme, les amis, le seul endroit qu'ils ont pour spawner c'est ici, je peux vous dire un truc, c'est qu'il y en aura plein ici. Il y en aura un max. C'est moi qui vous le dis. Là, pareil, là, ça c'est inacceptable. On peut pas laisser ça comme ça. Il faut absolument que ce soit bien, bien large. Hop. Limite, je fais un truc beaucoup trop grand, il va y en avoir beaucoup trop. Hein. Il va y en avoir beaucoup trop. Hop, hein, parfait. Voilà. Parfait. Ah, ça a légèrement bugué. C'est rare ça. Hein. C'est un petit peu rare tout ça. Hop, hein, voilà. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Ok, bah c'est une jolie petite zone, ça fait plaisir. Hop, hein. Ici pareil. Voilà. Bon, là je pense les potes qu'il n'y a pas photo, ça va spawn dans cette grande zone là, c'est indéniable. Si ça spawn pas, franchement, hop, je donne ma langue au chat, mais je ne pense pas les amis que j'aurais besoin de faire ça. Parce que là pour le coup les amis, c'est comme si je trouvais une solution, t'sais. Comme si je cherchais une question quoi. Mais en vrai les amis, si ça ne marche pas, j'avoue, hop, c'est-à-dire que mes connaissances de Minecraft sont dépassées, mais je ne pense pas les amis, hein. Je pense que là ça va spawn, c'est moi qui vous le dis. Vu la zone qu'on a créée les potes, c'est statistiquement impossible que ça ne spawn pas dans la belle zone qu'on vient de créer. Hop, donc là c'est un petit peu étroit, donc j'en profite pour rajouter un petit peu. Donc j'ai dit que je faisais pas derrière la maison, mais bon, vous inquiétez pas, on restera à bonne distance de la maison pour éviter de l'exploser. En plus, je crois que j'ai enlevé les explosions de creeper, donc en vrai ça devrait aller. Hop, j'ai hâte qu'il fasse nuit pour une fois, les amis, j'ai hâte qu'il fasse nuit pour pouvoir tester un petit peu cette magnifique création, les potes, voir un petit peu bah, si ça fonctionne bien. Ah oui, là c'est sûr, on aura une belle zone. Là, les amis, au milieu, là, c'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis, les potes, dans ce beau milieu là, ça va spawn. Hein. Hop, ça, voilà, ça bug un petit peu le une fois sur deux, j'ai remarqué. C'est très rare, mais une fois sur deux, ça bug un petit peu. Hop, voilà, super. Bon, maintenant les potes, j'attends la nuit, à tout de suite.
Ça y est, la nuit est tombée. Alors, voyons voir un petit peu de ça l'époque. Donc là, il commence à faire nuit, donc logiquement, je vérifie que voilà, il est en easy. Donc logiquement, si je m'éloigne suffisamment, les amis, voilà, faut s'attendre un petit peu. Voilà, donc il y a déjà un creeper qui a spawn, donc c'est bon, ils peuvent spawn. Donc là, vous voyez, le creeper a spawn, donc ça prouve bien qu'il fait nuit, donc ça peut spawn. Attention à ne pas exploser quand même. Donc là, normalement, les potes, ici, normalement, juste là, dans cette belle zone, voilà, il y a des monstres. Alors, il y a des araignées pour l'instant. Ce qui m'intéressait, c'était les squelettes, mais écoutez, pourquoi pas. Donc, vous avez vu, comme ça avait prévu, les amis, ça peut spawn ici. Donc, une bonne nouvelle. Voilà, ça peut spawn tranquillou. En tout cas, vous avez vu, c'est une bonne technique, honnêtement. Genre, c'est une très bonne technique, je suis vraiment surpris. Donc là, vous avez vu, ça spawn, hein, clairement. Après, ça spawn pas encore suffisamment efficacement parce que c'est encore pas assez large. Ouais, c'est que je veux dire. Plus ce sera large, les amis, plus on maximise nos chances, encore une fois. Enfin, j'en profite pour agrandir un petit peu l'heure qu'il fait déjà nuit. C'est quoi? Attends, il fait nuit, il faudrait qu'on en profite un petit peu. Enfin, je vais vraiment élargir encore la zone un petit peu. Hop. En soi, la meilleure technique, je pense, hein, c'est vraiment que je mette un max de seaux d'eau comme ça. En fait, limite, j'aurais préparé 15 seaux d'eau et en poser plein. Vous avez vu, ça spawn? Vous avez vu comment c'est pratique ou pas? Alors, salut. Explose pas, s'il te plaît. Oups. Ok, explose pas. Enfin, même si tu exploses, tu veux pas casser l'obsidienne, donc tu peux exploser à la limite, ça me dérange pas plus que ça, en fait. Si explose ici, ça me dérange pas. On va manger un petit coup. Non, c'est bon, on est déjà full vie. Vous avez vu, ça spawn. Bon, écoutez, c'est pas aussi efficace que ce que je pensais, mais parce qu'après, c'est encore assez lumineux, faut dire. Hein. Faut se dire ça, les potes, c'est encore assez lumineux. Voyons voir. En tout cas, bon, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas eu de squelettes, c'est ce qui m'intéressait le plus. J'avoue, je voulais des squelettes, les potes, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. On en aura, c'est sûr et certain. Dans tous les cas, si je veux vraiment être efficace, je fais une tour à mob. Hein. Je pense que c'est le meilleur truc à faire, les amis. Une tour à mob, c'est vraiment le meilleur système qui existe pour farmer les mobs. Hop, c'est pas si compliqué que ça à faire. Il y a des tours à mob très très simples. Limite au prochain épisode, ce qu'on peut faire, on peut faire une tour à mob. Comme ça, ceux qui connaissent pas ce que c'est, vous verrez ce que c'est très pratique. En fait, c'est un système qui fait spawn des mobs à votre place et qui les tue à votre place. C'est un truc automatisé qui tue les monstres à votre place. C'est ultra pratique. Bon, voilà un petit squelette, les amis. Est-ce qu'il va me donner des os? Je ne pense pas. Ah, si, si, il m'en donnait. Ah, deux même. Ah, bah c'est gentil ça. Dis donc, tu es généreux, mon petit. Là, vous avez vu, le champ pousse vite quand même. Hein. Ça fait quand même, plaisir. Le champ pousse assez vite. Vous voyez, hop, on peut avoir des patates comme ceci. Hop, voilà, on peut replanter le tout. Parfait. Ok, bon du coup les potes, je pense qu'on arrive à la fin de ce petit épisode. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est le cas les amis, je compte sur vous pour vous abonner et activer la cloche. On fonce aux 600 000 abonnés les amis, je compte sur vous. Tous ceux qui regardent la vidéo et qui sont pas abonnés, abonnez-vous maintenant et activez la cloche, ça me fait très plaisir. En plus c'est gratuit et comme ça les amis, on approche des 600 000, je compte sur vous. En plus les potes, je sors une vidéo par jour, comme ça vous ennuierez pas. Voilà les amis, je compte sur vous pour vous abonner et activer la cloche, ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas, gros bisous tout le monde et à plus dans les prochaines aventures. Ciao !